Salut, salut famille, comment vous allez? J'espère que vous allez super bien. Moi, en tout cas, c'est la super forme. Héritons votre humble serviteur. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Didier Léo. Didier Léo, grand, 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 grand artiste copé-décalé qui dit ses vérités dans son dernier opus. Bécan, voilà. Il dit vraiment de grosses vérités dans son son. Et je vous invite tous, pour ceux qui n'ont pas encore écouté le son, d'aller chercher le son sur YouTube et écouter attentivement et minutieusement le son que je vais essayer de décrypter dans cette vidéo là. Voilà. Mais bien avant d'aller plus dans ma vidéo, je vais vous chanter le refrain pour voir si certains l'ont déjà entendu. Parce que le son est sorti il y a plus de 5 jours. Il est déjà à 15 000 vues. Pas mal. Et bref, je commence. Bécan, bécan, wow. Bécan, 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 Bref, les amis, c'était un petit enjaillement avant de commencer la vidéo. Ok, voilà, en tout cas, moi j'ai écouté la chanson et Didier Léo dit beaucoup de choses vraies et d'autres à discuter dans cette chanson-là. Je vais vous citer quelques phrases de sa chanson. Et il dit comme ça: dans le coupé décalé, tout est mélangé. On ne sait pas qui chante, qui ne chante pas. D'autres se tapent la poitrine pour dire que c'est moi le plus fort. Entre nous, on se connaît. Quand on dit bon chanter, nous on est un. Voilà, c'est un peu ça, quelques phrases de sa chanson. Là, il s'adressait directement à certains artistes du coupé décalé qui ont pour coutume de s'auto-proclamer les plus forts, les plus forts, les plus forts, les plus forts. Il a indexé personne, mais il s'adresse à tous les artistes coupé décalé pour dire que parmi eux, ils se connaissent et puis on sait qui chante, on sait qui ne chante pas. On sait qui est mélodieux, on sait qui n'est pas mélodieux. On sait qui a des textes, on sait qui n'a pas des textes. Voilà. Et franchement, j'aime bien sa chanson. J'aime vraiment bien sa chanson, belle vidéo et tout. Mais en même temps, je me dis que ce genre de morceaux-là, ça peut envoyer des petits clashs, des petits problèmes, parce que vous savez qu'il y a des artistes qui ont ce plaisir-là à vouloir répondre à tous ceux qui s'attaquent à eux. Voilà, vous savez de qui je parle, je ne vais pas préciser le nom de ma vidéo. Voilà. Une autre chose qui m'a plu aussi dans sa vidéo, c'est qu'il s'adresse au milieu du showbiz qui est pourri. Franchement, je vous dis, il est pourri, parce que moi-même, jusque-là, même si mon groupe ne mousse pas encore, je suis manager d'artistes. Voilà, c'est pas un artiste. Mais mon plus grand groupe, c'est Baby Dream. Voilà, je le dis dans toutes mes vidéos. Je suis manager d'artistes et puis je sais ce que c'est que manager un artiste. Je sais ce que c'est que la vie d'artiste. Voilà. Il dit comme ça dans sa vidéo, il y a certaines radios, en tout cas beaucoup de radios, qui refusent de jouer ces sons. Et ces dernières-là pensent que elles lui font du mal. Mais au fond, elle ne peut pas la chose lui faire du mal parce que c'est Dieu qui fait sa promo. Et effectivement, généralement, moi personnellement, c'est mon avis personnel, j'ai pas pour habitude d'entendre trop les chansons de Didier Léo dans les radios. C'est rare, franchement. Et tous ces hits, je pense que c'est venu naturellement, quoi. C'est venu naturellement. Voilà. Et puis franchement, ce côté-là, il faut qu'on le dénonce aussi. Il y a trop de discrimination dans ce milieu-là. Il y a trop de discrimination, il y a trop d'hypocrisie, il y a trop d'égoïsme dans ce milieu-là. C'est un milieu vraiment, vraiment pourri, les amis. Je peux vous assurer qu'il est vraiment pourri. Tu vas te rendre dans une radio où on ne demande même pas 5 francs pour te jouer. On va te demander une somme qu'on sait que tu n'as pas pour juste refuser de passer ta vidéo sur la chaîne. Et demain, quand tu as commencé à percer, quand tu commences à exploser, tous veulent te voir en interview, tous veulent te voir dans leur émission. Franchement, sur ce côté-là, je tire le chapeau à Didier Léo parce que tu as tapé là où il fallait. Ça, c'est la vérité. Vérité. Comme je disais, la première partie de ta chanson, c'est à discuter parce qu'on sait que tu es très bon chanteur, mais il faut savoir qu'il y a mieux chanteur que toi dans le coupé décalé. Tu ne peux pas dire que tu es le meilleur chanteur du coupé décalé, ça je suis désolé. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a quelques parties de tes vidéos qui sont à discuter et il y a quelques parties de tes vidéos qui sont à approuver. En tout cas, moi personnellement, je kiffe ta chanson et j'invite tous mes abonnés, je ne vais pas dire le nom, à aller chercher le son de Didier Léo et écouter. C'est vraiment du lourd, c'est vraiment du lourd. Voilà, franchement. Moi, je vais beaucoup m'attarder sur le cas du showbiz ivoirien. Franchement, je sais même pas pourquoi c'est aussi méchant de votre part. Vous, faut que la personne ait un nom avant de le pousser. Oh, ce serait plus intéressant de le pousser maintenant pour qu'il soit reconnaissant vis-à-vis de vous demain. Ou bien les amis, ils m'ont dit. Sinon, c'est un lieu pourri, hein. C'est un lieu vraiment, vraiment pourri. Voilà.
En tout cas aussi, franchement, il a vraiment, vraiment clashé ses amis dans sa chanson. Il a dit beaucoup de vérité aussi. Il a dit beaucoup, beaucoup de vérité, honnêtement. Franchement. Je vais vous laisser. J'ai juste envie de débriefer un peu sur sa chanson. Il n'y a pas trop grand-chose à dire. Je vous donne rendez-vous sur 18h pour vous parler de la mesquinerie, pour vous dévoiler, pour vous faire certaines révélations. Parce qu'on a pour coutume de dire que moi je suis beaucoup réservé, j'ai beaucoup, je sais beaucoup, mais je dis peu. Il n'y a pas de problème, on va commencer à dire beaucoup. On va commencer à dire beaucoup à partir de ce soir à 18h là. Donc je vous invite à rester branché, à activer votre code de notification, à vous abonner massivement si ce n'est pas encore fait. Et puis à attendre cette grosse vidéo que je vous réserve sur le cas de Didier Arafat et des Bordeaux. Je vais vous expliquer pourquoi ils veulent casser Didier Arafat. Pourquoi ils en veulent à des Bordeaux. Les deux sont liés. Et je vais vous montrer ce lien ce soir là. Ciao ciao les amis et big up à Didier Léo. Belle vidéo. Bon son. Ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse. Très bonne journée à vous.